Le jour de l'Ascension, le Christ a fait une promesse à ses disciples, celle qu'il serait présent avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le Christ est fidèle à cette promesse, il est présent chaque jour avec nous. Il est présent d'abord dans le cœur, dans la vie de chaque baptisé. Chaque baptisé porte cette présence du Christ. Et puis, même lorsque l'Église se rassemble pour célébrer la messe, il y a différentes manières dont le Christ se rend présent. D'abord, dans son corps qui est l'Église. C'est lui-même qui le dit lorsque deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et puis, il est présent dans la personne du prêtre qui préside l'assemblée eucharistique. Le prêtre représente, rend présent le Christ, tête et pasteur de son Église. Il est présent également dans sa parole, lorsqu'elle est proclamée dans l'Église au cours de la messe, lorsqu'elle est reçue, lorsqu'elle est écoutée, entendue, le Christ est présent, c'est lui-même qui parle. Lorsque quelqu'un baptise, dit le Concile Vatican II, c'est le Christ lui-même qui baptise. Il est présent aussi à chaque fois que nous entrons dans une église. Il est présent symboliquement dans l'autel. L'autel représente cette pierre, la pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, qui est devenue la pierre centrale, la pierre d'angle. Et puis, il est présent évidemment d'une manière tout particulière dans le sacrement de l'Eucharistie, dans le pain et le vin consacrés. Il est présent substantiellement, il est présent tout entier. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, au cours de la messe, parfois on fait usage de l'encens. L'encens, il n'est pas là d'abord pour faire de la fumée qui sent plus ou moins bon ou pour amuser les servants d'autel. L'encens, il est là pour dire « ici, le Christ est présent ». On encense l'autel, on encense l'évangile, on encense le prêtre qui célèbre, on encense l'assemblée, corps du Christ, et puis on encense le Saint-Sacrement de l'autel, le corps et le sang du Christ. Tout simplement pour dire, ici, le Christ est présent. C'est un signe de reconnaissance et de vénération. À la fin de la messe, le Christ lui-même nous envoie aller dans la paix du Christ, aller porter cette paix, aller porter cette bonne nouvelle, aller porter cette présence du Christ que vous avez reçue. Allez la porter à qui? Allez la porter d'abord aux petits et aux pauvres dans lesquels je suis présent. Le Seigneur nous le dit lui-même dans l'évangile de saint Matthieu, « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ainsi, le Christ est présent dans notre vie de bien des manières et en chacun de ces lieux, il nous appartient d'honorer sa présence. La parole de Dieu et le mystère eucharistique ont toujours reçu dans l'Église la même vénération. C'est un même acte unique de culte que de proclamer la parole de Dieu et de célébrer le mystère de l'Eucharistie, du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Seigneur. La table à laquelle nous nous réunissons est autant celle de la parole que celle de l'Eucharistie. Le Christ nous nourrit autant dans la parole proclamée, et en particulier dans l'Évangile, qui est la parole du Christ, que dans l'Eucharistie, où il donne son corps et son sang. C'est véritablement un unique acte de culte. Nous sommes nourris, comme le Christ le dit lui-même, qui écoute ma parole et la garde à la vie éternelle, qui mange ma chair à la vie éternelle. Ainsi, dans la liturgie, cette unité est montrée, manifestée par les signes que nous posons, aussi bien le baiser à l'autel qu'à l'évangile, qu'à l'évangélière, l'encens, dont nous honorons aussi bien l'autel, les oblats, les offrandes du pain et du vin, que l'Évangile, la lumière, signe de la présence du Christ dans la liturgie. De même, quand nous édifions une église, en général, l'ambon de la parole et l'autel de l'Eucharistie sont construits dans le même matériau. Tous ces signes montrent bien cette unité de la parole et de l'Eucharistie qui nous nourrissent tout autant.
L'Eucharistie est la présence réelle du Christ par excellence. Non pas que les autres présences ne soient pas de vraies présences, ne soient pas des présences réelles, mais elle l'est par excellence. Parce que le Christ y est présent substantiellement, dans tout son être. Le Christ est présent dans son corps et son sang. Quand nous consacrons les espèces du pain et du vin, nous disons réellement « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et c'est une réelle présence à ce moment-là du Christ dans l'Eucharistie. Il y est concrètement, réellement, substantiellement présent. On appelle cela la transsubstantiation. Quand je vieillis, je peux perdre mes cheveux. Quand je me blesse, je peux perdre un membre de mon corps, une main. Ça ne change pas mon être. À l'inverse, dans l'Eucharistie, il y a toujours l'apparence du pain, du vin, mais la substance est devenue la chair du Christ, le sang du Christ. Ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, c'est le Christ lui-même. Le fait que le pain et le vin soient consacrés séparément et viennent le corps livré, le sang versé, montre le caractère sacrificiel de l'Eucharistie, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente. Mais le prêtre, juste avant la communion, dans ce qu'on appelle l'immixtion, dépose une parcelle du corps du Christ dans le sang, et ils sont à nouveau réunis. Aujourd'hui, c'est le Christ vivant ressuscité auquel nous communions. C'est le Christ tout entier qui est présent dans l'Eucharistie. Il est présent dans l'Eucharistie avec tout son être, toute sa personne. Le Christ est donc présent tout entier sous les deux espèces, mais après la communion, il demeure dans les hosties consacrées. C'est pourquoi on le dépose au tabernacle. Là se trouve la sainte réserve eucharistique, où il demeure, en particulier, nous le verrons plus tard, pour la communion aux malades, il demeure parmi nous. Le Christ a planté sa tente parmi nous, c'est le tabernacle dans nos églises, dont le signe est la lampe rouge.